Et là, je lance le direct. Salut les craquignous. J'attends que tout le monde se... Donc si tu rejoins ce direct après diffusion, j'attends tout simplement que ça se connecte en fait. Là, on est diffusé de 11h à midi, entre 11h et midi, et donc tout simplement, voilà, tout simplement, il faut attendre que ça se dise. Voilà, je suis peut-être même un petit peu en avance. J'attends que ça se connecte tout simplement. Aujourd'hui, on va revenir un tout petit peu sur les gimmicks. Salut Séverine qui nous rejoint. Salut Kevin. Kevin, salut. Tu devais m'envoyer un truc hier, j'ai rien reçu. Oh là 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 là, il y a Jason qui m'envoie un message et qui fait vibrer le live. Et donc là, salut Body Roy. Yeah, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc là, alors cette fois, parce qu'on a des problèmes techniques, j'attends que tout le monde se connecte. On a eu des problèmes techniques pour le YouTube, donc là c'est encore en train d'enregistrer. Et là, cette fois, il y a la caméra qui tourne. Donc sur YouTube, il y aura une belle image horizontale comme j'aime bien. Salut Flavien, salut Flavien, salut Maxime. Qui c'est d'autre qui est là? Tac, 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 tac. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'attends que ça se connecte. Coco est dans la place, salut. Yeah! Donc je disais, en gros, ce live, il pourrait s'appeler les 7 erreurs à ne pas faire pour trouver des bookings, mais on va retourner, salut, on va retourner sur les, putain, on va retourner un peu sur les gimmicks, rapidement. Parce que vous m'avez envoyé vos retours. Vous m'avez envoyé vos retours sur les gimmicks. Et donc, pour l'essentiel, ça a été, je peaufine, je t'envoie dans l'après-midi. Yes, nous dit Kevin. Zacharias nous rejoint, Darren. Et donc, pour la majorité, c'était un peu votre pourquoi, en fait, qui pêchait un petit peu. Donc, pour ceux qui, là, j'en vois qu'on se connaît pas encore. Donc, pour ceux qui nous rejoignent et qu'on se connaît pas encore, ma phrase n'était pas tellement française. Donc, je suis Stéphane Noguès, directeur de Aya Catch, fondé en 2009. Je produis et j'organise des shows dans toute la France et également directeur de l'école de catch Aya. École fondée en 2011 pour former les jeunes catcheurs en devenir, et puis les former sur tout type, plutôt sur les codes internationaux, pour permettre aux jeunes également de trouver et prendre confiance en eux et de réaliser leur rêve d'arriver sur le ring, etc., etc. Et plus récemment, coach en marketing pour débutants. Voilà, Clément Aya nous rejoint, Simon nous rejoint, Simon. Fidèle cascadeur, professeur de musique à 16h également, on collabore ensemble, qui a été coaché. Salut mon petit chat, oui ça va, ça va, ça va. Donc voilà, j'attends que tout le monde s'installe, tout le monde nous rejoigne. Qui peut nous dire un peu ce qu'on a vu hier, par rapport, comme je disais, on va faire un court rappel. Salut Ben, on va faire un court rappel de gimmick avant de parler des 5 erreurs à ne pas faire pour trouver des bookings. On va reparler, salut Machete. Voilà, les 5 points qu'on a vus hier sur les 5 conseils pour créer une gimmick, dont certains m'ont envoyé pas assez à mon sens, m'ont envoyé leur retour, leur travail. Pour leur gimmick, et les problèmes étaient axés essentiellement sur leur pourquoi. Alors, voilà, allez-y, qui peut nous rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je bave, les 5 points qu'on a vus hier. Salut Benoît, formation longue, à qui j'ai fait le retour assez complet. Ben, je t'ai fait un retour assez complet à ton mail sur ta gimmick. Voilà. Et puis, on t'enverra
vu que tes formations longues, on t'enverra la formation justement complète pour créer ta gimmick, voilà, pour toucher les derniers trucs. Et donc voilà, et avant de commencer, je vais enfin pour leur commencer, là on commence à être bien connectés tous ensemble. On est avec l'équipe, on est en train de mettre au point, comme je vous disais, quelque chose pour le manque à apprendre pour ceux qui sont inscrits dès le début, les formations longues, etc. Donc des exercices perso, des exercices mis en place par Paul Gallagher, des exercices mis en place par Tristan Archer pour vous, vous accompagner pour la création de vos gimmicks pour vous, en profondeur. Vous accompagner pour en profondeur pour vous trouver des bookings. Également, ça a été souvent demandé des stages le week-end. Des stages le week-end. Donc ça, pour compensation, pour ceux qui étaient en formation longue et tout ça, un stage le week-end, il pourra vous être offert. Pour les autres, peut-être une réduction de 20%, ou enfin on est ancien, mais on est en train de gamberger à tout ça. On vous enverra plus d'infos prochainement. Faites simple, faites original pour les gimmicks. Faites pas des démons. Oui, alors c'est ça. Attends, j'avais pris une note pour faire original. C'est ça. On va y revenir. Merci Benoît. Une gimmick simple, heal ou face. Oui, pour commencer. Il y a trop de démons et pas assez de bien. Oui, par exemple, mais c'est question que c'est la facilité. Gabriel, Alex, comment c'est simple, soyez original. Sers-toi de toi, de ton feedback, de ton background, pardon. Restez logique et le but de la gimmick, ouais, c'est ça. Donc les 5 points qui ont été vus hier, merci d'avoir participé, merci de commenter. Donc c'est ça, comment c'est simple. Donc choisissez votre axe pour commencer vraiment heal ou face, après ça viendra. Soyez original, exactement, soyez différent. Hein, je vais vous refaire un tout petit point là-dessus, soyez différent par rapport au retour que j'ai eu hier. Ok, j'attends le tien, Kevin Segura. Servez-vous de votre feedback, exactement. Être logique. Trouvez votre pourquoi, donc ça je vais vous donner un petit exercice là, et puis vos finishes, absolument, ça a été les points. Donc, pour être original, effectivement, je me suis encore aperçu que la plupart de tout, c'est soit des démons, soit une bonne personne torturée, qui fait le sympa, mais qui finalement est méchant ou méchante. Ok, c'est trop compliqué. Et la plupart d'entre vous sont orphelins, abandonnés à la naissance, maltraités, tout ça. Donc on a des piou-piou et des pioupettes au sein de l'école de Kachaya. Quand je vous ai dit, servez-vous de votre background. On a des piou-piou et des pioupettes au sein de l'école de Kachaya qui sont dans ce cas de figure et qui se sont servis de ça dans leur background. Donc ça, en termes, c'est logique. Donc pour ceux qui sont pas dans ce cas de figure, ça peut être intéressant de chercher un autre axe aussi. Parce que vraiment, tout le monde est orphelin. et tout le monde déteste l'être humain aussi, en général. Soyez un peu différents. Vincent, Maxime, Gabriel, passé, présent, futur, absolument. Originalité, sers-toi de toi. Comment c'est simple, soyez original, sers-toi de toi. Va de background, etc. Ok. Donc, les pourquoi. Alors, ça, c'est une technique pour trouver votre pourquoi. Je vous disais, c'est la plupart du temps, c'est ce qui manque. Petit rappel avant de commencer un exercice sur les pourquoi. Petit rappel, c'est absolument entièrement gratuit. On n'est pas subventionné. Donc, moi, ma paye, là, ça serait de partager, s'il vous plaît, ce live. De partager ce live au maximum. Ça serait, voilà, on passe une fois encore. J'ai passé 1h30 ce matin à préparer ce live. Et toute l'équipe travaille dessus. Donc voilà, ça serait partager, s'il vous plaît, partager. Ok. Par exemple, alors, c'est une technique de développement personnel où on cherche nos 5 pourquoi. Donc on peut complètement l'adapter à votre personnage, à votre gimmick. Mais pour créer une gimmick, ça peut partir au-delà de 5 pourquoi. Les pourquoi, les donc,
et comment. Comment faire, comment. Donc les 5 pourquoi, par exemple, on va partir d'une gimmick qui est souvent... beaucoup de débutants commencent par ça. Alors ta gimmick, elle est comment? Elle est prétentieuse et arrogante. Ok, on va partir là-dessus. Prétentieuse et arrogante. Pourquoi il est prétentieux et arrogant? Parce qu'il est sûr... C'est un exemple comme parmi tant d'autres. Parce qu'il est sûr de lui. Ok. Pourquoi il est sûr de lui, par exemple? Parce qu'il a été élevé seul dans la rue et qu'il a appris à vivre seul et à se débrouiller tout seul. Donc là, je prends vraiment un archétype hyper classique, quoi. Voilà. Ok, alors pourquoi il a... Pourquoi il a été élevé, pourquoi il a été élevé dans la rue et qu'il a appris à vivre seul et à se débrouiller seul dans la rue? Pourquoi? Parce qu'il a été abandonné par ses parents. Oh, pourquoi il a été abandonné par ses parents? Ok, est-ce que je vais pas trop vite? C'est bon? Est-ce que je vais pas trop vite? Parce qu'hier, il y a Ben Damage qui m'a dit que j'avais été un petit peu vite. Et c'est tout bon? Issam nous rejoint. Bienvenue Issam. Est-ce que ton projet avance de Campus Cascade? Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça va pas trop vite? S'il vous plaît, soyez proactifs, s'il vous plaît. Histoire que je me sente un peu moins seul. Histoire que je me sente un peu moins seul. Je parle aussi à l'autre caméra de temps en temps. S'il vous plaît. Ouais, comme ça, ça va déjà vous permettre... déjà, vous avez certainement commencé à comprendre un peu plus le truc. Donc, je n'ai que des spectateurs, les amis. Je vais arrêter ce live avant de joindre les 5 erreurs à ne pas faire pour trouver des bookings. C'est clair, merci, nous dit Clément. Qui d'autre? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je continue? Ok. C'est bon. Ok, alors bon, on va enchaîner. Alors... Pourquoi il se débrouille seul? Parce qu'il a été abandonné par ses parents. Pourquoi il a été abandonné par ses parents, par exemple? Parce que ses parents n'avaient... Yes, merci. Merci. Merci Flavien. Merci Kevin. Pourquoi il a été abandonné par ses parents? Par exemple, parce que ses parents n'avaient pas d'argent. Par exemple, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ouais, comme je disais, pour l'élever, qu'ils ont dû l'abandonner ou qu'ils l'auront été repris pour aller, qu'il leur enfant leur a été repris pour l'emmener à la DAS ou un truc comme ça, ok? Ah, Maxime, ça bug énormément, j'ai du mal à suivre. Ah, nous dit Maxime, eh ben, ouais, je suis désolé. Alors, il y aura le retour sur le live. Il y aura là, cette fois, ça filme à l'écran, là. Il y a le son, là. Vous retrouverez le live en propre sur YouTube. Ok, je vais enchaîner. Pourquoi il a été... pourquoi la DAS leur a repris? Pourquoi? Parce que ses parents... Pourquoi? Parce que ses parents étaient alcooliques et qu'ils n'arrivaient pas à s'occuper de leur enfant. Ok, donc tout ça, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, vous pouvez décliner. Continue, c'est très clair. Merci. Je t'invite à me tutoyer, Benoît. Ok, donc là, on peut... Quand vous arrivez un peu au bout de la boucle des pourquoi, vous pouvez donc... Et donc, enchaîner avec vos... Et donc tout ça, tout ça, tout ça, il a été abandonné par ses parents et tout ça. Et donc, voilà, on en revient à la boucle et il se débrouille seul. Et donc, à force de s'ébrouiller seul, de se débrouiller seul, il a pris confiance en lui. Et donc, vu qu'il a confiance en lui, il a vu qu'il peut avoir de l'influence sur le monde qui l'entoure et sur le public. Et donc, il a vu... après, vous faites la boucle. Et donc, voilà, il a vu que ça pouvait marcher pour le catch, etc., etc. Et après, on peut arriver dans les comment. Dans les comment. Comment il en a fait pour arriver au catch, quoi. Ok? Donc, ça, vous travaillez là-dessus. Et donc... C'est une technique de développement personnel et qui me semble très intéressante pour développer votre gimmick qu'on peut complètement adapter. Bon, sauf que là, moi, j'ai rajouté le « et donc ». Ok, donc pour ceux, je le redis, qui sont intéressés pour créer une gimmick, l'améliorer, tout ça, vous pouvez m'envoyer votre proposition de gimmick, votre création de gimmick. Excusez-moi, je suis troublé parce que je vois des messages au-dessus. Ouais, vous pouvez m'envoyer vos propositions de gimmick en message privé
ou en mail. En mail, Rémi, le directeur adjoint, s'il te plaît, si tu peux mettre mon mail dans les commentaires. Voilà, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, comparément à Benoît, par exemple, ou d'autres qui sont pas là en ligne, qui ont fait une formation longue ou qui sont inscrits dès le début, donc pour respect pour eux, je leur réponds plus en profondeur. Pour les autres, je vous aiguillerai. Et puis voilà, ça sera déjà ça de pris, quoi. Est-ce qu'on enchaîne? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? J'en vois qui me mettent des trucs en message privé, mais vous pouvez mettre certaines choses dans les commentaires. Et puis, s'il vous plaît, partagez. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça vous a rajouté quelque chose de plus intéressant pour élaborer votre gimmick, tout ça? Avant de passer à la suite. Avant de passer à la suite. Merci pour tout, je t'en prie, Fla. Voilà, hein, donc, voilà, soyez autre chose, si possible, surtout si c'est pas le cas, soyez autre chose que des orphelins, soyez autre chose que des démons. Enfin, voilà, vous avez compris l'idée, parce que vraiment, tout le monde fait ça. Soyez autre chose qu'un mec prétentieux, fort, etc., etc. Voilà, est-ce que c'est bon? Est-ce que je continue? Bon, ok. Alors, on va enchaîner avec, finalement, yes, merci Kevin, merci Baptiste. Alors, on va enchaîner avec le nerf de la guerre. Donc, ce live va s'appeler comme ça, les 5 erreurs à ne pas faire pour trouver des bookings. Donc moi, je suis limpide, nous dit Benoît. Merci Flavien, yes, 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 ok, c'est cool. Donc moi je suis promoteur depuis 2009, donc ça fait... C'est-à-dire que je paye des gens et que je sélectionne des catcheurs, etc. Donc ça fait plus de 10 ans. Et donc j'ai côtoyé également d'autres promoteurs, évidemment français, anglais, américain, allemand, voilà. Voilà, on est à peu près sur la même, longueur d'onde. Ok. Donc... trouver des bookings, c'est savoir se vendre. Et donc le problème, en fait, peut-être que tu es dans cette ligne-là, peut-être que ton problème, c'est que tu ne sais pas trouver de ligne directrice pour te... T'as Orange qui me fait chier maintenant. Ouh, aïe, 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 aïe. Donc, oui, il me dit Zacharias. Ok, étape par étape, à force de courir après deux lièvres, on n'en attrape aucun au final. Absolument, Axel qui nous rejoint. Absolument, donc les 5 erreurs à ne pas faire pour trouver des bookings. Donc peut-être que tu ne sais pas comment trouver de bookings, peut-être que tu ne sais pas comment formuler les mots, les phrases pour trouver des bookings, peut-être que tu es beau, grand et fort et que finalement le monde ne te comprend pas, un héros tel que toi n'est pas booké. Donc il y a un dicton qui dit que, et à commencer par les promoteurs et par le chef de file, hein, que quand il y a un problème, c'est à 80% de ta faute et pas forcément celle des autres. Ok. Point numéro 1. Baptiste, oui, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Absolument. Et oui, donc, trouver des bookings, en fait, je dirais que quand tu étais performeur dans le ring, quand tu as voilà, une bonne gimmick, athlétique, un bon selling, un bon truc, un bon feeling avec le public, et la liste est longue. Que tu sais, t'as un bon panel, que t'as tes finishes, que t'as tes special moves, que t'as tout le merdier. Le plus simple est fait. Après, il y a savoir se vendre, qui est une grosse carence, particulièrement chez les workers français, si tant est qu'il y a des workers. Il y en a évidemment, mais voilà, enfin de qualité, hein, j'entends. La grosse carence, c'est les backstage et savoir se vendre. Ok, alors, j'ai même, moi, des fois, des workers qui me contactent, mais qui sont dans le circuit depuis quelques temps maintenant, mais voilà, les mecs, il faut absolument qu'ils se cultivent plutôt que de perdre leur temps sur des âneries. Alors, regarder des épisodes de Dragon Ball Z, jouer à la console ou je sais pas quoi, il faut se cultiver, surtout en plein confinement, là, bon...
ça va partir sur autre chose, mais voilà, cultivez-vous. Ok, et apprenez pour certains, pas tous, à construire des phrases, sujet, verbe, complément. Alors, on y va. Point numéro 1, qui paraît tellement évident, ne pas tutoyer le promoteur. Ne pas tutoyer le promoteur. Donc, en France, culture francophone, on a le tutoiement, le vouvoiement. Et donc, en France, c'est essentiellement des amateurs passionnés qui... De promoteurs français, professionnels, on doit être trois. Je pense qu'il y a mon estimé confrère Booster, il doit y avoir Monsieur Gordon et moi, je pense. J'espère que... Donc, voilà, ok. Ne pas tutoyer le promoteur. Quand tu postules dans une boîte d'intérim, quand tu postules pour un CDI, quand tu postules pour je sais pas quoi d'autre, tu lui dis pas « Eh, ma couille, alors on se touche la bite, comment tu vas ?» Le promoteur, c'est pas ton pote, ok ? C'est pas ton pote. Alors là, vous allez peut-être me faire des billes comme ça. C'est pas non plus ton patron. Mais c'est pas ton pote. Je discutais avec DJ Hyde. DJ Hyde, il est venu pour un stage il y a quelques années. Et il a fait un show avec nous qui s'appelle... je sais plus comment. Il me disait, mais même lui aux États-Unis, « Hey buddy, nanani, nanana, mais donc t'es grillé direct, quoi. » Enfin, en tout cas, chez tous les promoteurs sérieux. Hein. Ça, c'est une running phrase que je vais te la dire en boucle. Une candidature médiocre attirera des promoteurs médiocres, hein, qui prendront des catcheurs pas finis, en fait, quoi. Une candidature médiocre, donc forcément, tu vas peut-être... Voilà, une candidature médiocre va attirer des promoteurs médiocres. Ok. Ne pas tutoyer le promoteur. Et donc ça, quand je te disais, le promoteur, c'est pas ton patron, c'est autre chose. Mais ça rentre dans un coaching plus approfondi, plus personnalisé. C'est pire que ton patron. C'est ton client, nous dit Machete. Et là, Machete, tu viens de divulguer un truc qu'il fallait pas dire, mais on t'aime tous. Effectivement, le promoteur, c'est ton client, c'est pas ton patron. Et ça, et en fait, si tu inverses toute la donne, ça change tout. Et mais ça, donc ça, c'est vraiment du coaching particulier, quoi. Et ça, ça c'est la solution. Mais comment faire ça, je le réserve à ceux qui sont en formation longue ou inscrits depuis le début. Bon, voilà, c'est normal, quoi. Ok. Parce que voilà, c'est normal. Ok. Donc point numéro 1, c'est bon, vous me suivez tous. Avant d'enchaîner le point numéro 2, ça va. Oh, dis donc toi, l'ordinateur qui se casse là. C'est bon, ça filme toujours. Ouais, c'est bon, excellent, merci beaucoup, à bientôt. Tu t'en vas? Ok, est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Soyez proactif, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir si je parle pas dans le mur, dans le vide, avant de passer au point numéro 2, au point numéro 3, au point numéro 4, et finalement, à le plus important, le point numéro 5. Ok. Yes. Ok. Alors, le point numéro... C'est bon, tout le monde est là? Yes. Flavien, oui, ça note. Ok, bah, je prends mon temps. Ok, ça marche. Ça note. Et alors, je vois qu'il y a d'autres amis en dehors du catch. Corentin, mon internet est à plat ventre, mais tout va bien. Ok, Kevin, merci, yes, il y a certainement un petit retard, ça marche, donc je laisse couler un petit peu. Et pendant que je laisse couler, Clément, de précieux conseils utiles, même hors catch. Ah ben, tu m'enlèves les mots de la bouche, mon Clem. Absolument, parce que je vois dans le public, là, il y a... que c'est bon. Et donc, soit dit en passant, il y a moins de connectés qu'hier... Mais c'est des connectés de meilleure qualité. Je pense, pensez pas forcément quantité mais qualité. Je vois qu'il y a des connectés qui sont hors catch, qui sont en cascade et en tout à fait autre chose d'ailleurs.
Des notes. Oui, Camille, je t'avais répondu subrepticement comme ça à ta gimmick. On note, ok, tout, j'espère. Ouais, tout à fait. Vous retrouverez le live sur YouTube. Très bien, Simon. Voilà. Et donc ça, ce que je vais vous dire là, c'est ça peut marcher pour être pris en cascade, pris, je sais pas, n'importe quel boulot, dit vrai travail. Hein, ça peut, voilà, ça va au-delà de. Là, on peut rentrer dans le marketing. Hein. Simon qui est avec nous, on fait des cours de marketing ensemble. Bon, c'est. Voilà. Ok. Point numéro 2, parce que ça, on me le fait souvent, puisque effectivement, c'est un milieu, particulièrement en francophonie, où c'est des amateurs passionnés, on est tous potes. On est tous potes. Alors, quand est-ce que tu me fais travailler? Quand est-ce que tu me bookes? Maintenant qu'on est potes. Point numéro 2. Ne pas quémander des bookings. Ne pas quémander des bookings. Un promoteur, une candidature médiocre accueillera de l'intérêt par un promoteur médiocre. Un promoteur de qualité, un promoteur sérieux, il te fait pas travailler parce que tu es sympa. Il te fait travailler pour ce que tu lui rapportes, pour ce que tu lui apportes, et ça, en fait, pour ce que tu lui apportes et pour ce que tu lui rapportes. Ok? Il te fait pas travailler parce que tu es sympa. No way. No way. Et en cascade, c'est pareil. En cascade, il y avait le même problème, quoi. Moi, les mecs, ils te faisaient travailler uniquement parce que tu les aidais. Ok? Et donc ça, c'est ce que tu lui rapportais. Et bon, en revanche, il fallait correspondre à une demande. Moi, on me demande beaucoup de lucha libre. Bon, je vais pas prendre, enfin, à majorité, je vais pas prendre un mec qui fait 217 kilos et qui voltige pas parce qu'il est sympa et qui me cire les pompes, quoi. Il faut aussi correspondre au profil. Donc ça, c'est ce que tu apportes. Ok? Donc, il y a des mecs qui veulent pas se mettre à la lucha libre. Toi, Tristan Archer, ok? Tristan Archer, très bien, ok. Tristan Archer, l'ambassadeur de l'école de catch Aya, qui a été champion Aya Catch, etc., etc. Il déteste la lucha libre. Mais il veut bosser, ok, parce qu'il a une mentalité de professionnel. Donc, je lui demande la lucha libre, bah le mec, il te fait des hurricanes, il fait 115 kilos, il te fait des hurricanes rana à la volée, il te fait des ciseaux de tête, à condition qu'il y ait un bon porteur. Mais voilà, donc il s'adapte, ok. Donc voilà, je m'égare un petit peu, mais c'est pas sûr, enfin, faut pas me brancher sur le sujet. Ne pas quémander des bookings. Là, on m'a dit récemment, là, on venait de faire un beau show. Un gros show, Big Bang là, qui va sortir en VOD. Ah, il y a un apprenti worker qui vient me voir. Ah ouais, mais Stéphane, tu me bookes sur un show tel que celui-là. Faut que tu me bookes sur un show tel que celui-là, quoi. Oh putain, sur un gros et beau show tel que celui-là, parce que Big Bang était vraiment formidable. Ah ouais, putain, le mec, j'ai gardé le sourire. Oui, d'accord, ok. C'est-à-dire que si c'est un plus petit show qui brille moins, qui te met moins dans la lumière que celui-là, là, il faut pas que je te book, quoi. Donc déjà, il y avait l'aspect quémandé, et puis il y avait la tournure de phrase qui était hyper maladroite. On reprend l'exemple de Tristan Archer. Tristan Archer, ok, Clément Petiot, VVE. Là, il y a 2, 3 semaines, ou il y a peut-être un mois, il a fait une sorte de WrestleMania, mais au Qatar. Donc il va à WrestleMania du Qatar, mais il va aussi à la fête de la quenelle pour Patin Couffin, Aya Catch et machin, ok? Bon, voilà, c'était le point numéro 2. Jacob qui nous rejoint, bienvenue. Bonjour Aya Catch, ça farte, oui, ça farte. Donc voilà, point numéro 2. On en est à les 5 erreurs à ne pas faire pour trouver des bookings, et puis on a ouvert ce live. Sur un petit rappel de gimmick. Donc voilà, Stéphane, Aya Catch, école de catch Aya. Donc voilà, des lives absolument gratuits pour garder le contact durant cette période de confinement. Donc je vous invite vraiment, ça c'est ma paye, c'est absolument gratuit, on n'est pas subventionné. Je vous invite, s'il vous plaît, à partager ce live. Donc la troisième, est-ce que c'est bon? Du coup, hier on m'a dit que j'allais un peu trop vite. Est-ce que c'est bon?
Je laisse le temps au retour d'aller. Donc du coup, je vois que je sais que ça note. Donc du coup, je récapitule, ne pas tutoyer le promoteur, c'est pas ton pote. Et ne pas quémander des bookings. Et il y a un point très 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 important sur le point numéro 3, Flavien toujours là, Flavien très 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 investi, merci merci à toi, Flavien qui continue à travailler, bravo bravo, et je suis aussi content pour toi, ne pas parler, le point numéro 3, Baptiste, un public reste un public, que cela 10, 100, 1000 personnes, on le respecte absolument. Absolument, et quand tu as la prétention de vouloir faire ce métier, donc effectivement tu es un artiste, et un artiste respecte le public, et donc que ce soit à WrestleMania devant 90 000 personnes ou devant 100 personnes, ce qu'on appelle un public froid à la fête de la quenelle qui s'en fout, ils ont vu que ça bougeait là-bas, qu'il y avait des mecs en costume rigolo et ils viennent voir, ce que j'ai fait pour l'essentiel quand j'étais catcheur, un public froid c'est le plus dur mais c'est aussi le plus formateur. Benoît, je note tout, ok, MBA, n'importe quoi, Mathias qui nous rejoint, salut Mathias, partage ce live Mathias, c'est important pour toi parce que c'est bon pour ton karma. Troisième point, parce que celle-là, on me l'a fait aussi souvent, celle-là. Ne pas parler argent tout de suite. Ne pas parler argent tout de suite. Effectivement, t'es un worker, t'es un futur worker. Il faut parler argent. Le catch, c'est du show business. Sauf chez les... Sauf c'est les bisounours du catch. Ouais, mais tu trahis la passion du catch pour l'argent. Nanana, t'as pas honte de parler argent. Le catch est du show business. Comme je dis toujours, l'Undertaker, Brock Lesnar et tout ça, ils sont pas payés par Vince McMahon avec des bisous et des câlins. Voilà, c'est parfait. Je prends en note les conseils, etc. etc. Ouais, ne pas parler argent. Tout de suite, ne pas parler argent tout de suite. Et des fois, j'ai des candidatures. Ouais, donc salut Steph. Hein, évidemment, on est potes, on a élevé les catcheurs ensemble. Je sais pas comment dire. Salut Steph. Ouais, alors je suis beau, je suis grand, je suis fort, je suis comme ci, je suis comme ça. Donc déjà, bon, alors il y a des formulations de phrases, c'est au secours. Ça prend trois lignes et mon prix c'est ça. Je prends ça, appelle-moi. Oh bah, mon Dieu, oh diantre, appelle-moi. T'es limite, c'est bon bah comment ça ah oui mais je crois que c'était un truc comme ça. Comment ça se passe, tu m'appelles, je t'appelle. Enfin le mec il était c'est chaud quoi. L'argent c'est quoi ça? Ça se mange. Ouais, ça se mange, ouais. Donc voilà, une fois encore, un catcheur, à mon sens, c'est un freelance, ok? C'est pas un salarié, ok? C'est un freelance. Et donc un freelance, il doit savoir se vendre, il doit savoir vendre sa cam. Donc je t'invite très 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 sincèrement à être proactif comme tu fais là sur ce live. Forme-toi, apprends à te vendre. C'est hyper important. Tu es un produit. Tu as des produits, ton merchandising et toi. J'ai vu de mes yeux vus David Starr, grosse grosse vedette du catch indie à l'époque, il était encore aux États-Unis, avec une boîte de chaussures, tu vois, je sais pas comment ça fait de hauteur, de rempli de billets de 20 et de 10, quoi, rempli. Il se faisait largement plus qu'avec le cachet qu'il me demandait, quoi. Martial Cortés qui nous rejoint. Bonjour Martial. Immense infographiste à demeure de Aya Catch, école de catch Aya. Merci de nous rejoindre. On est en train de... Ça peut rejoindre d'ailleurs Martial, on a travaillé ensemble en sécurité. Et on est en train de voir les 5 erreurs à ne pas faire pour trouver des bookings. Des bookings, c'est pour trouver des dates pour travailler.
et on a travaillé ensemble en sécu. Et donc ça rejoint la sécu. Il y a d'autres personnes qui sont dans le métier là de la sécu qui sont derrière. Il y a aussi des sacrés goinfres, des sacrés cancres là, ou je sais pas quel mot dire, dans la sécu quoi. Bon bah ouais, c'était un petit aparté sécu. Ouais, donc vraiment cultivez-vous ça, pour certains. Mais du coup tu payes tous les catcheurs sur les shows, nous demande Marc. Merci Marc de ta question. Elle a le mérite d'être au grand jour et de t'intéresser, d'être proactif. Oui, un catcheur, ça c'est... Alors, peut-être à la VVE, parce que ça doit être la seule structure... Alors, je sais pas au Mexique, à la CMML, mais la VVE, ça doit être la dernière à avoir des catcheurs au contrat, tout au moins en Occident. Ou au Japon, alors vraiment intervenez parce que là je sais pas, mais oui, sinon tu payes tes catcheurs à la prestation. Vous répondez à Machete, c'est pour ça que tu vas à la salle aussi souvent. Ah ok, bon d'accord. Oui, je me rappelle de cette histoire. Ok, ça marche, mais du coup tu payes tous les catcheurs sur les shows. Oui, bien sûr. Bah en fait c'est normal en fait. Alors après, des fois, on peut avoir des arrangements, particulièrement avec les piou-piou qui sortent. Il y a une règle non écrite qui dit que tu peux faire, que tu fais des gestes et que tu es plus souple avec la maison mère, celle qui t'a permis de sortir, et que quand des fois le promoteur, en l'occurrence le gars, le promoteur a besoin d'un geste, il est de bonne aloi politiquement de le faire. C'est vraiment cordial. Mais sinon, une fois encore, on en est au troisième point. Une candidature médiocre va attirer des promoteurs médiocres. Donc, il n'y a que chez les amateurs passionnés que tu payes pas, ou sauf quand tu lances un projet, ou comme là on a fait récemment, Rock'n'Fight, où il y a eu un effort de groupe pour lancer un projet. Et une fois encore, il sortait... quasiment tous de la maison mère, sauf pour une catcheuse en particulier, où tu trouves des arrangements, mais chacun y trouve son compte au bout du compte. Théo nous rejoint, ok, la NJPW, il y a du catch en contrat. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est en contrat d'exclu ou des choses comme ça, tu vois, c'est ça la question. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça vous va? Ça suit, c'est bon, je vais un peu tranquille. Donc, ok, merci Flavien, je récapitule, le point numéro 1, ne pas tutoyer les promoteurs, le point numéro 2, ne pas quémander des bookings, parce qu'on est potes, numéro 3, ne pas parler argent tout de suite, il faut attendre que le mec vous le demande, ce qui... Toujours, merci Camille, merci d'être réactif, merci d'être présent. Point numéro 4 sur les 5 erreurs à ne pas faire pour trouver des bookings, c'est-à-dire de se vendre uniquement sur la forme, je vais m'expliquer, et pas sur le fond. Et ça, la majorité, c'est-à-dire 97% des catcheurs ont du mal à comprendre ça, parce qu'une fois encore... ils sont trop fixés sur la forme et pas sur le fond. Donc je vous invite, pour ceux que ça peut vraiment, apprenez à vous vendre. Je suis grand, beau et fort. Prends-moi. Des mecs beaux, grands et forts en slip, il y en a tout le tour du ventre. Tu es grand, beau et fort. Eh ben c'est bien, écoute, je voltige, je fais de la force athlétique, je peux voltiger, je peux courir et passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes, voilà, la forme, ok. Mais sur le fond, le promoteur, sérieux, il a besoin de savoir ce que tu lui amènes et ce que tu lui apporte. Alors donc, effectivement, le promoteur a besoin de savoir si, avec toi, il va pouvoir vendre des places,
vendre des billets si tu vas être attractif, mais c'est pas que ça. Je vais faire au mieux pour structurer mon propos, c'est très 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 important. Il y a David Starr qui a postulé chez nous il y a quelques années de ça. David Starr, grosse vedette du catch indie américain, maintenant il vit en Angleterre. Salut Danny, salut Johan. David Starr qui postule chez nous, donc avec une vraie formulation vraiment bien écrite, très humble, qui me met à la. Pour te confier, moi je ne connaissais pas David Starr, quoi, ok? Qui a été recommandé par une amie commune et tout ça. Je connaissais pas David Starr, mais lui, il savait qui il était déjà là. Et Aya Catch, c'était là. Bon, maintenant, depuis, on a grandi. Mais Aya Catch, c'était là. Et le mec, en fait, déjà, il a été très humble. Il nous a mis à la. Comme s'il s'adressait à la VVE, en fait, quoi. OK? Et il a été très humble. Ok, bon, voilà, c'est un mec en slip, brun, plein de poils. Ok, ce que je vois, je revois les vies. Mais par exemple, c'était vraiment bien écrit. Alors, dans son CV, ah ouais, putain, le CV, CZW, WXW, était des trucs un peu prestige qui brillent, quoi. Mais on le sait déjà qu'on est beau et grand et fort chez ECA. Il faut lui montrer que ta valeur, là, lui montrer de la valeur ajoutée pour son show, absolument. Pas forcément grand, Benoît, je ne vise personne, mais ok, ça marche. Ah, faut pas que je lise les commentaires, ça me trouble. En fait, faut que je reste concentré. Putain, je sais plus où j'en étais. Ouais, David Starr. Ouais, donc voilà. Donc dans son CV, effectivement. Dans son CV, effectivement, il fait péter le prestige. Ça vient de hurler derrière, je suis carrément déconcentré. Ça vient de faire péter le prestige, ok? Ça vient de faire péter le prestige, ok? De par les autres fédérations pour lesquelles il a travaillé. Ok, intéressant. Mais dans les vidéos que je vois, ok, bon, il fait du catch comme en slip, comme d'autres catcheurs, en fait. Ok, ça marche. Voilà, il fait du catch technique comme d'autres catcheurs, il va un peu il va au charbon, bon voilà, il fait vraiment normal quoi. Et en fait, c'est sur une promo, Henri Quint, je bitais à l'époque, j'étais encore plus mauvais en américain, en anglais que maintenant. Donc je bitais que dalle à ce qu'il racontait, mais il donnait une énergie. Il donnait une énergie. Je me suis dit, ah, ce mec-là, s'il donne une énergie comme ça en vidéo, mais alors, l'énergie qu'il va donner à mon public et à mes élèves, ah, au top! Je regarde un confort, ok. Ah, au top, l'énergie qu'il va donner à mes élèves, ça va vraiment être top avec une énergie comme ça. Excellent, quoi. Et puis, il avait. David Starr, il a un tatouage hyper original sur la cuisse. Original. Il a un tatouage hyper original sur la cuisse. Ah ouais, et ben ça c'est. Ah donc voilà. Je reviens à la boucle parce que c'est structuré. Le promoteur va s'intéresser à ce que tu vas lui rapporter, s'il va pouvoir vendre des places grâce à toi. Mais chez l'être humain, il va aller au-dessus que l'intérêt financier, c'est l'émotionnel qui prend toujours le dessus. C'est toujours l'émotionnel qui prend le dessus sur l'être humain. Et donc, David Starr, il m'a eu à l'émotionnel. L'émotion, il a donné de l'énergie en promo. Il a été original, c'est de l'émotionnel. Il a été original avec son logo, son tatouage super original sur sa cuisse. Ah ouais! Et enfin, dans sa lettre de candidature où il me touche pas le cul, alors ma gueule, comment ça va? Il m'a fait péter le prestige. Oh! Ah ouais, donc là, il avait vraiment retenu mon attention, quoi. J'en parle. Ah, je ferais bien un stage pour coach David Starr et un show dans la foulée, quoi. Un show, à l'époque, c'était les premiers pay-per-view qu'on avait fait. Que j'avais vendu avec une certaine technique, toujours apprendre à savoir se vendre. J'ai commencé à en parler à mes piou-piou. Ah oh ouais, David Starr, génial, génial, génial. Et là, je me suis aperçu qu'il était bankable, en fait. Donc, j'ai rempli un stage et j'ai vendu des pay-per-view, quoi. Des pay-per-view. Et après, les VOD avec David Starr.
Donc il m'a d'abord eu à l'émotionnel. Et après, j'ai vu que je pouvais gagner de l'argent. Pécho les promoteurs à l'émotionnel. Et après, comment faire? C'est du coaching privé. Voilà, donc j'espère que faire encore plus de tatouages. Ouais, tu peux faire encore plus de tatouages. Mais son tatouage, il était original. Et je mets un tir à personne, ok? Je mets un tir à personne. C'était pas un tatouage tribal, tu vois. C'était, je sais pas, ça ressemblait à un logo de marque de pompe tout en comportant une prise de lutte, tu vois. Je sais pas, David Starr, et tu vois quoi. Original, yes. Alors, pour les CV, plutôt écrit ou en vidéo pour se vendre, les deux. Mais en fait, David Starr, l'exemple de David Starr en vidéo, je vais faire court là parce qu'il va falloir enchaîner. Pour David Starr en vidéo, c'était une promo pour la CZW quoi. Mais il y a des façons de faire, il y a des façons. Enfin, voilà. Mais sinon, par écrit, par écrit, par écrit, par écrit. Te vendre en vidéo, c'est pour faire les promos. Bon, bref, tu m'as compris. Donc voilà. Premier point, ne pas tutoyer le promoteur. Deuxième point, ne pas quémander des bookings. Troisième point, ne pas parler argent tout de suite. Quatrième point, et je vais conclure ce quatrième point avant de passer au cinquième point. Ok, je suis grand, beau et fort. Ma Ferrari, elle est belle, elle est rutilante, elle a des enjoliveurs brillants, elle est toute rouge, elle passe de 1 à 100 à l'heure en 5 secondes. Et puis, ouais, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Eh ben, c'est un aspirateur à gonzesses depuis que j'ai cette voiture. Les gonzesses, ou les mecs, tu vois, les gonzesses que je ramène, et puis la tête des voisins quand ils me voient arriver dans le quartier, je leur mets tout le seum. Surtout le gros Dédé qui est une tête de con. Surtout, alors lui, il a le seum. L'émotionnel, qu'est-ce que ça m'apporte? Ok? T'as compris l'image? Très important. Si tu comprends ça, t'as tout compris. Après, il faut savoir comment tourner le truc. Ok. Enfin, et pour finir, le cinquième point. Est-ce que vous êtes prêts pour le cinquième point? Où j'arrête le live? Live à partager, s'il vous plaît. Live absolument, complètement gratuit. Et ma paye, c'est notre paye, mon équipe et moi, c'est de le partager. Après, David Starr, on ne l'a pas revu à AIA-ESCA. David Starr, il va revenir au mois de juillet pour le stage de juillet et puis un show en juillet. Parce que David Starr, mon ami, tu l'appelles 8 mois avant. 8 mois avant, il est déjà pris. Voilà, toujours, ok, nous dit Flavien, Corentin, le cinquième point, le cinquième point. Oui, merci Coco, merci Coco. Vous en faites pas, on sera tous à l'heure pour aller manger à midi. On parle toujours de catch ou de toning? Merci Benoît, ça fait plaisir, vous êtes réactif, c'est cool. Ok, le cinquième point. Kevin Achard, yes, chaud pour le cinquième point. Tu peux continuer, c'est super clair. Merci. Suspense, merci. Ça me fait plaisir que vous soyez encore là. C'est au top. Soit dit en passant, avant de faire le cinquième point, je fais très très vite. Si vous avez des questions sur les bookings, les gimmicks, vous me les envoyez par message privé, mais si possible, plutôt par email. C'est quelqu'un de mon équipe qui peut mettre mon email stéphane.eca@aya-enco.com dans les commentaires, s'il vous plaît. Message privé ou email, si vous avez des questions sur les bookings et sur les gimmicks, s'il vous plaît. Le cinquième point, et c'est le plus important parce que c'est une bêtise que beaucoup font, merde, ne pas vous brader. Ne pas vous brader. Surtout quand vous avez fixé un tarif et que ça vient aux oreilles, c'est un tout petit milieu.
Enfin, je veux dire, même en France, si tu fais une connerie en France, ça peut se savoir aux États-Unis. Hein. Y a pas de souci. Il y a un dicton qui dit, on est à trois poignées de main des grands hommes. On est à trois poignées de main des grands hommes. OK? On est à trois poignées de main des grands hommes. Par exemple, Paul Gallagher. Paul Gallagher, OK, je lui serre la main. Lui, il a été serré la main à... Putain, le booker de la NXT. Ronald... comment il s'appelle? Salut Inès. Comment il s'appelle le lutteur de... Putain! Je me souviens plus comment il s'appelle. Bon, on est à trois poignées de main des grands hommes, ok? Ça me reviendra, ça me reviendra. Le booker de la NXT, c'était un lutteur, un style très très lutteur. Il y avait un match fantastique de lui contre Dean Malenko. Je sais plus. Là, les fans de catch, là, comment il s'appelle? Ah, je sais plus du tout. William Regal, merci. On est à trois poignées de main des grands hommes. Tout se sait. Paul Gallagher, il est en collaboration constante avec William Regal. Et William Regal, il serre la main à Vince McMahon. OK? Il y a quelques années, il y a eu une merde sur un de mes shows. OK? Ça s'est su jusqu'à United States of America. OK? Donc, tout se sait. Donc, si tu as calé ton prix ici, non, pas Triple H, mais par exemple, OK? Très bon exemple. Tristan Archer, il va à la WWE Clément Puteaux, ok, il serre la main à Triple H, et Triple H, il fait même la bise à Vince McMahon. Et tu vois, Vince McMahon, derrière, ça va jusqu'à Trump, tu vois, ok? Donc on est à trois poignées de main des grands hommes. Tout se sait. Donc si tu fixes ton prix ici, et que ça vient aux oreilles, que pour un autre promoteur, t'as fait là, mon pauvre, mais t'es grillé. Qui que tu sois, t'es grillé. Y a des trucs qu'on peut tolérer. Et je vais pas trop m'attarder dessus parce que ça fait partie du coaching personnalisé. Si c'est plus, comment dire, si tu fais un essai gratuit pour la VVE, on va le tolérer, tu vois, ok? Mais si tu casses le prix ou je sais pas quoi sur Jardiland Pro Wrestling, là ça va pas le faire, tu vois, ça va, t'es grillé, ok? Ne pas te brader. Et puis en fait, voilà, une candidature médiocre va attirer des promoteurs médiocres. Il y avait un catcheur français qui venait du Nord, enfin de l'Oise, ok? Et il propose à un de mes illustres confrères, Rémi Soulier de l'ABC Catch. Ah, moi, si tu veux, je travaille gratuit. Et ben, Rémi, il lui a dit non. Ouais, non. Je prends pas les gens qui travaillent gratuit. Moi, je tolère les. Sauf erreur de ma part, je tolère les gens gratuits et ceux qui viennent de mon école. Est-ce que l'on peut t'envoyer un mail de booking test en condition extrait, pour un prochain live? Oui, tout à fait. Après, je pourrais pas faire un coaching approfondi, tu vois, mais ouais, vas-y, 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 feu, au contraire, vas-y, vas-y, avec plaisir. Voilà, donc ne vous bradez pas. Si vous avez fixé un tarif, ne le cassez pas. C'est mort, tout se sait. Tout se sait, c'est mort. Et c'est impardonnable. Et moi, qui que tu sois, je te le pardonnerai pas. Voilà. Et voilà, je crois que je m'étais en partie dans des grandes. Voilà, c'est ça. Et donc, je redisais, Rémi Soulier n'avait pas accepté cette candidature de mec gratuit. Voilà, les mots ne sortent plus, c'est ça. En fait, les lives, tu les fais pour vendre ton coaching. Les lives, je les fais pour vendre mon coaching, parce que le catch, là je regarde aussi l'autre caméra, parce que le catch c'est du show business, je l'ai fait pour vendre mes coachings, absolument, mon amour, et aussi pour garder le lien avec les pioupiou ECA et Aya, parce que nous sommes éloignés les uns des autres à cause de ce confinement, et également on est en train de mettre en place pour ceux qui sont inscrits depuis le début et également en formation longue, que vous ayez un manque
à apprendre, de vous fournir un manque à apprendre. Et effectivement, je vais continuer à placer mes coachings pour avoir des élèves quand le confinement terminera. Parce que j'ai pas honte, le catch c'est un métier, mon amour. Ok, est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce que c'est tout bon pour vous? Point numéro 1, ne pas tutoyer le promoteur. Et toi, mon petit chat, dis-moi ce que tu donnes, mon petit cœur. Ok, moi, ça fait une semaine que je donne des heures, une heure par jour en direct. Et puis sinon, une heure et demie avant. Voilà, tu sais, j'ai ma femme, j'ai mon fils derrière. Tu vois, il fait beau. Tu vois, je préfère être dehors, hein, tu vois, à la limite, quoi. Ok, point numéro 1. Ne pas tutoyer le promoteur. Point numéro 2, ne pas quémander des bookings. Point numéro 3, ne pas parler argent tout de suite. Point numéro 4, ne pas se fier, ne pas se limiter à la forme. Je suis beau, grand et fort. Savoir qu'est-ce que tu amènes, qu'est-ce que tu apportes et qu'est-ce que tu rapportes. Et un choix se fait avant tout sur l'émotionnel. Et puis, ne pas se brader. Erreur capitale. Ce gros plan me fait peur. T'as raison. Voilà. Yes, tout est noté, merci, merci Baptiste, gratuit, mais cela a de la valeur matérielle et spirituelle, bien sûr, et Benoît qui est là, et puis tu vois, Baptiste qui a fait aussi la formation longue, Clément, mail de Stéphane, ah, il y a Clément Ayakatch qui vient de me mettre le mail de Stéphane, ce charisme, merci mon petit chou, Clément Ayakatch qui vient de mettre mon mail, donc si vous avez des questions pour les bookings, pour les gimmicks ou tout autre, par exemple, je sais pas, en termes de développement personnel, si vous avez des inquiétudes durant ce confinement, où suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, qu'est-ce qu'on va devenir, voilà quoi. J'y répondrai avec plaisir demain au live. Questions-réponses, le live de demain, 11h midi. Ben voilà, donc partagez ce live. J'ai tourné là avec la caméra, donc je regardais souvent mon portable, donc la caméra YouTube, je vais pas souvent vous regarder, je suis désolé. Et donc toute l'équipe se met en branle pour vous continuer à garder le contact et à vous donner du contenu de qualité. Sur YouTube, vous trouvez aussi les matchs, les school shows, les school matchs. Là, hier, il y avait... Il y avait Ben et Jason. Vos gimmicks, elles sont pas encore implantées dans la tête. J'ai pas les noms encore. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? Donc, je vous retrouve demain, ici, sur la chaîne de l'école de Catch Chaya. Merci d'avoir été là. Merci pour tes lives. Et on adore te les coachings. Merci. Merci d'avoir été là. Et n'oubliez pas que l'avenir... Ça appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts. Allez, salut les gars. Merci. Jay-Z versus Aiden Black. Putain, mais Aiden Black, bordel. Mais oui, oh là 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 là, je t'ai fait un retour comme ça. Oh là 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 là, mais excusez-moi.